DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Voilà, alors on a un athlète. Oh, grand champion. Les Arabes ont mis Valère à quitter. Bissou. Et c'est Okimi. Binoura Bilobela. Oh, Bakimi, Bakimi, Batlete Bango. Tozan à Paris. Tozan à Paris, Paris. Les Paris à blague. Nani Akimi. Bissou n'a pas athlète. Mokotika Bilobela. Nani Akimi. De retour à Kinshasa, en provenance de la France, où s'éteignit la 33e édition du Jeu olympique de Paris. Le deuxième contingent de la délégation de la RDC, composé du président du COC Amos Mbayo, du secrétaire Alain Badiachile et le chef de la délégation Nadej Lebaboum, la boxeuse Brigitte Mbabi, le judoka Arnaud Kisoka et de la nageuse Divine Miansadi ont foulé les sols congolais à 17h45. Le judoka a profité de cette occasion pour balayer le spéculation. Ayant été pour la première fois sur la scène internationale, Divine Miansadi fixe l'opinion en ces mots. Paris, ça a été une très belle expérience, vu l'ampleur de la compétition. Je crois que j'ai acquis beaucoup de connaissances que je compte d'ailleurs mettre en pratique aux prochains entraînements. C'était d'abord les entraînements que j'ai fait dès mon retour de l'Angola et je crois que ça a apporté les fruits. 3 des 6 athlètes de la RDC sont restés du côté de Paris. Il s'agit d'Aristote Ipelengue, Dominique Lasconi et de la boxeuse Marcela Sakobi. Par contre, c'est des précisions que Marcela est en train de peaufiner avec des préparatifs pour les challenges à venir. Dominique Lasconi va rallier plutôt Sénégal où il réside. Par contre, les nageurs, son cas reste toujours une utopie. Jeux Olympiques Paris 2024, la délégation congolaise est rentrée hier au pays avec 3 athlètes sur les 6 qui étaient à Paris. Il s'agit de la boxeuse Brigitte Mbambi, la nageuse Divine Miansadi et le judoka Dasuki Soka. À partir de l'aéroport international d'Ondjili, Mbambi et Miansadi ont même livré leurs impressions après leur participation au JO, où la RDC n'a pas malheureusement raflé la moindre médaille. Nous allons écouter tour à tour Brigitte Mbambi et Divine Miansadi. Je suis contente et ma tout pays est contente d'avoir participé aux Jeux Olympiques parce que c'était une occasion pour moi de montrer mon niveau et mon expérience. Voilà, je suis contente de participer aux Jeux Olympiques. Quel sera pour vous l'après-Jeux Olympiques 2024?
Bon, après là, il y a un champion d'Afrique qui aura lieu ici à Kinshasa et je crois bien participer. Je vais continuer avec les entraînements, je vais doubler d'efforts et je crois que pour moi, c'est comme un championnat pour nous que je prépare. Que je vais commencer déjà à préparer deux la semaine prochaine. Merci, bonsoir. Alors dites-nous, quelle leçon vous tirez après tant de Jeux Olympiques, quelle leçon vous tirez pour la RDC? Merci d'abord pour cette opportunité que vous offrez au Comité Olympique Congolais. Les leçons à tirer, comme je l'avais dit précédemment dans les différentes interviews accordées à la presse, c'est d'inviter toutes les parties prenantes à jouer leur partition. Parce qu'on ne peut pas, comme dit, on dit dans nos différents langues, laver la figure avec un seul doigt. Donc il faut, comme les cinq doigts de la main, qu'on soit ensemble pour aider cette jeunesse à réaliser leur rêve. Oui, leur rêve tant attendu. Chaque partie prenante doit prendre conscience que notre secteur utilise un pan entier de cette jeunesse et cette jeunesse a besoin d'un encadrement efficace, efficient, d'un investissement qui pourra permettre à ce secteur de décoller. Merci. Là, vous avez donc écouté tour à tour Brigitte Mbambi, Divine Miansadi de retour au pays. Parmi les athlètes restés en France, il y a la porte-drapeau de la RDC lors de la cérémonie de clôture, la boxeuse Marcela Sakobi. Son clan rassure qu'elle va donc revenir au pays avant l'expiration du visa. Profitons de ce temps qui reste pour trouver un camp d'entraînement pour ses prochains combats. Elle compte continuer avec la boxe professionnelle. Quant au sprinter Dominique Lasconi, lui, il devrait, après son séjour en France, retourner au Sénégal où il est interné dans un centre d'athlétisme en tant que boursier de la Confégès. Et concernant le nageur Aristote Ipelinga, il n'y a aucune nouvelle de lui. Mais quelles leçons tirer de la participation de la RDC à ces JO? 6 athlètes pour 4 disciplines, aucune médaille raflée. Les Congolais ont d'ailleurs été tous éliminés dès leur entrée en lice, à l'exception du sprinteur Dominique Lasconi qui s'est arrêté au deuxième tour du 100 mètres messieurs. Pour Alain Badiachile, secrétaire général du COC, chaque partie doit jouer sa partition pour aider cette jeunesse. Les leçons à tirer, c'est d'inviter toutes les parties prenantes à jouer leur partition. Parce qu'on ne peut pas, comme dit, on dit dans nos différents langues, laver la figure avec un seul doigt. Donc il faut, comme les cinq doigts de la main, qu'on soit ensemble pour aider cette jeunesse à réaliser leur rêve tant attendu. Chaque partie prenante doit prendre conscience que notre secteur utilise un pan entier de cette jeunesse et cette jeunesse a besoin d'un encadrement efficace, efficient, d'un investissement qui pourra permettre à ce secteur de décoller. Alain Badiachile, secrétaire général du Comité Olympique Congolais.